Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Srokoulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau skatepark qui arrive sur Fortnite. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais ici il y a une plateforme et une deuxième plateforme qui ont été disponibles depuis hier en fait. Donc c'est la plateforme près du sanctuaire qui se trouve juste ici. Donc il y a cette plateforme là et cette plateforme là. Après je ne sais pas si cette plateforme là sera un skatepark, mais celui-là ce sera un skatepark, ça c'est sûr et certain. On peut déjà le remarquer parce que regardez, dans la plateforme ils ont créé un trou et je pense qu'ils vont justement créer une forme de rond ou de piscine comme ça où on va pouvoir faire du roller. Après pour faire du roller, ça c'est pas encore pour tout de suite parce qu'en fait Fortnite est en train de créer un déplacement en roller. Donc je pense que je vous l'avais dit dans l'espace communautaire de ma chaîne YouTube, je vous avais dit que Fortnite était en train de travailler sur un déplacement en roller et bien entendu ça va prendre du temps avant que ça sorte. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils vont déjà créer un skatepark pour que eux ils puissent tester le déplacement en roller. Mais je pense pas qu'il sera disponible. Alors normalement le skatepark là ici sera disponible à partir de mardi prochain en même temps que les défis d'été. Donc voilà un peu pour tout ce que je sais à propos de ce skatepark. Mais pour le déplacement en roller, c'est que un projet pour l'instant. Mais ce serait quand même bien qu'on trouve des rollers quelque part en fait, n'importe où sur Fortnite, et qu'on puisse se déplacer en roller. Donc voilà, ils cherchent vraiment à diversifier les déplacements et à rendre le jeu plus rapide, plus accessible, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Srokoulou Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.